alors dire que nous sommes invités à une grande soirée disco. Oui, et à bord du fabuleux Queen Mary, le plus grand paquebot du monde. Ah, voici le premier pas. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. C'est facile, vous avez compris? Maintenant, nous allons essayer un peu plus compliqué. Le pied gauche sort dessus le pied droit. Et le bras droit sous le bras gauche. Bon, ensuite, vous passez le pied droit derrière le pied gauche. Et bien entendu, le bras gauche sous le bras droit. Voilà, très bien. Ensuite, vous prenez la main de votre cavalière et vous la faites tourner gracieusement à droite. Ah, peut-être mieux, monsieur le cavalier. Il ne manque plus que le capitaine, mais où est-il encore passé? Ah, ben voilà, ben voilà! Ah ben vous voyez, j'ai mes maintenues disco. Oh, ben vous allez froisser mon costume tout neuf, mais lâchez-moi tout de suite! Nous n'accepterons pas les mendiants ici! Ah, alors ça... Oh, ben qu'est-ce que tu veux, hein? C'est ça qu'on doit appeler tomber sur un bec. Regardez ça, c'est vraiment chouette. J'ai envie de danser toute la nuit quand je vois un cadre pareil. Ah oui, et au moins sur une piste de danse, il n'y a pas de mystère à résoudre. Bonsoir, belle demoiselle, bonsoir. Soyez les bienvenus sur cette merveilleuse piste de danse. Vous allez tout de suite pouvoir vous déchaîner. Écoutez-moi ça. Oh, les filles, regardez en face. Et il est pas laid du tout. Bah, elles vont tout de suite changer d'avis quand elles me verront danser. La danse n'a plus de secret pour moi. Rien de plus facile. De graisse. Regardez, il y en a d'autres par terre. Ne vous inquiétez surtout pas, nous allons vite éclaircir ce mystère. Et pour commencer, nous allons examiner les lieux. Allez, venez. Vous tenez vraiment à rester dans ce noir, vous autres? Il n'y a pas l'ombre d'un indice jusqu'ici. Oh, regardez, c'est sûrement le voleur qui s'enfuit. Rattrape-le, capitaine adoré. Ah, c'est moi qui vais réussir à me semer en grimpant au bas. Dans un instant, et là... Oh, ah, oh, encore cette crise de l'énergie. Il n'y a vraiment pas de doute. Les rayures, ça allonge. Je crois bien qu'il nous a semé. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, excusez-nous, monsieur. Et rien qu'une seconde. Mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Voyez pourtant bien que c'est pas encore sec. Est-ce que pendant que vous l'aviez par terre, vous avez remarqué quelque chose d'anormal? Non! Qu'est-ce que c'est que ce drôle de bruit? Bah quoi donc? Moi, j'entends rien. Mais si, écoutez. Oh, bah c'est sûrement des termites. Oh, bravo, il manquait plus que ça. Il raconte n'importe quoi. Comment pourrait-il y avoir des termites à bord d'un bateau en métal? Allez, venez les filles. Je crois que nous avons marqué un point. Ah ben cette fois, je vais toutes les étonner en leur trouvant un indice.